nothing we can do. The final hour before. La dernière et quatrième thématique de la Schum Academy, c'est la prise d'appui, le fameux catch, et l'efficacité du mouvement sous l'eau. La prise d'appui d'abord, donc on aura entré la main contrôlée pour justement prendre son appui efficacement. La première chose à savoir, c'est que la main, elle n'est jamais à la surface. Pour la raison suivante, c'est que si vous avez la main à la surface, vous avez une position qui va être beaucoup trop diagonale par rapport à la surface de l'eau. Et de manière à pouvoir vous aligner correctement, on entre sa main avec un angle d'à peu près 30 degrés par rapport à la surface de l'eau, à peu près, tout simplement pour pouvoir rehausser les jambes, le bas du corps et être bien aligné par rapport à la surface de l'eau. Donc je viens prendre mon appui, l'épaule doit être au-dessus du coude qui doit être au-dessus de la main, de manière à avoir un appui le plus fixe et le plus fort possible. Si j'ai le bras tendu, mon coude étant orienté plutôt vers le haut, je vais avoir du mal donc à prendre mon appui, qui va avoir comme conséquence une fuite du coude et beaucoup moins d'efficacité dans sa prise d'appui et dans son mouvement de propulsion. Donc la prise d'appui, en plus de vous rééquilibrer dans la nage, permet de conditionner la force qu'on va pouvoir mettre sur son appui sous l'eau. Cette traction et propulsion, après la prise d'appui, elle doit être, comme on l'a dit sur les thématiques précédentes, sur sa ligne médiane. Plus je vais être proche de ma ligne médiane, plus la force appliquée sur votre corps sera efficace et donc le déplacement plus rapide. Donc je répète, j'entre dans l'eau, j'ai mon épaule au-dessus, bien haute, au-dessus de mon coude, je pousse sur ma ligne médiane, bien au milieu du corps, et de manière accélérée. La phase la plus efficace du mouvement est la dernière phase. Donc il faut rentrer un petit peu plus tôt, accélérer et sortir le plus tard possible pour avoir une propulsion la plus efficace possible. Alors, exercice suivant, travail de godille. Il s'agit donc d'un mouvement hélicoïdal, un mouvement de 8 à plat en fait, avec le coude fixe. L'objectif, c'est d'orienter les surfaces propulsives vers les pieds, en fait, dans la direction opposée du sens de déplacement. Le coude fixe et je me propulse vers l'avant. Ok ? Tout simplement, sans les jambes bien alignées. Allez, c'est parti ! Exercice suivant sur la thématique donc de la prise d'appui et de l'efficacité du mouvement sous l'eau s'appelle le double catch. Le double catch, double prise d'appui. Je viens prendre mon appui, d'accord. J'ai le coude au-dessus de la main toujours. Tac. Je cherche à être propulsif juste sur cette petite partie-là, sans avoir d'abaissement de l'épaule. Prise d'appui, je reviens. Prise d'appui, mouvement complet. Je change de bras, prise d'appui. Je reviens, prise d'appui, mouvement complet. Attention de ne pas avoir la main à la surface, mais d'orienter bien son avant-bras à 30 degrés à peu près par rapport à la surface de l'eau pour avoir l'épaule au-dessus du coude, au-dessus du poignet. Allez, c'est parti! Exercice suivant, toujours sur la prise d'appui et l'efficacité du mouvement sous l'eau, le grand chien, un classique. On part en latéral, d'accord, je fais ma petite inspiration, expiration. Ensuite le mouvement de propulsion, prise d'appui, je pousse fort sous mon corps et je change de côté. Inspire, je prends mon appui, je pousse fort, je change de côté. Il faut vraiment avoir
donc sa poussée, sa traction et sa poussée sous son corps, pas en dehors de l'axe médian du corps. Ok ? Allez, c'est parti. Merci de nous avoir suivis en espérant que ça vous a plu évidemment. On se retrouve une prochaine fois sur la chaîne du triathlon. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.